bonjour et bienvenue à un autre One Take Friday. Qu'est-ce qu'on fait avec nos chutes de papier? Est-ce que vous les mettez au rancard et vous les oubliez? Ou si vous les jetez? Alors, je vais vous montrer aujourd'hui un petit projet assez rapide pour utiliser les chutes de papier que j'ai pris pour faire la boîte, le livre configuration la semaine dernière. C'est un petit projet rapide qui vous permet d'utiliser vos chutes de papier. Et j'ai altéré les papiers pour avoir, pour préserver le look shabby chic de notre boîte qu'on a fait la semaine dernière. Et j'ai décidé d'attacher une des clés qui me restait au bout de la corde. J'aurais aimé avoir une ficelle qui s'agence un peu plus à mon signet, mais j'en avais pas sous la main. Je vais vous montrer deux autres que j'ai préparées en un rien de temps. Comme vous voyez, j'ai décidé de laisser l'endos simple. Ça fait un autre look. C'est le même papier finalement, c'est le début du papier. Je vais vous montrer les deux autres que j'ai préparées. J'ai celui-ci et la seule différence, bon, évidemment, c'est le papier. Je n'aimais pas vraiment le papier parce qu'il y avait un petit lapin puis je trouvais que ça faisait trop opaque. J'ai décidé d'utiliser les Distress Stains un peu plus vigoureusement. Donc, ça donne un look plus foncé. Et les deux seules choses que j'ai changées, c'est le pochoir. Ça, c'est le pochoir, le numéro TCW350S. Et le jeu des tempes, c'est celui-ci. J'ai utilisé les textes, c'est « It is written stamp » de Beau Bunny.
Et j'en ai un autre ici qui a été fait avec le papier des papillons. Je vais te donner un close-up. Avec le papier, avec les petits papillons. Et j'ai utilisé le même stencil, le stencil du damasque. Et à l'endos, un papier, le papier simple. Alors voilà, c'était un petit projet tout vite, avec une technique de résiste à l'encre Versamarque et à l'embossage au gaufrage clair. Alors j'espère que ça va vous donner le goût d'utiliser vos chutes de papier. Ne les jetez pas parce qu'il y a de belles choses intéressantes que vous pouvez faire avec. J'aurais pu faire des petites cartes cadeaux aussi. J'ai en masse de papier pour faire plein d'autres signets. Et ça se donne bien en cadeau. Alors c'est tout pour cette semaine. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, laissez-les ici-bas. Et je reviens la semaine prochaine. Au revoir!